ironico, anche molto più burlesque dans la période de l'aristocratie. Et ensuite, ça raconte des choses terribles et qui sont toujours aussi valables, même sur le plan social quand même, hein, quand le personnage de Gwynplaine, ayant tout perdu à la fin, il lui reste qu'une chose, c'est de pouvoir dire sa vérité, de révolter aux puissants, quoi, aux parlementaires. Et ce discours-là de Victor Hugo, qu'on a un peu coupé, mais absolument respecté, hein, c'est vraiment du Victor Hugo, ça parle absolument de l'épuisement des pauvres, du chômage qui est partout. Et on a l'impression d'un indigné d'aujourd'hui. Hein. Je séduis Marc-André, et puis dès que je l'ai eu, je m'en débarrasse. Mais c'est plus compliqué que ça, quoi. C'est un personnage... C'est ça qui était intéressant, c'est qu'elle est à la fois salope et un peu désaxée, et on peut penser qu'elle est très malheureuse, quoi. Donc peut-être ça lui donne un crédit à la méchanceté. Je ne fais pas partie de ces actrices qui, entre deux films, qui sont mal ou qui sont... J'aime autant la vie que le cinéma ou tout ça. J'aime la réalité.